Il est devenu en France la figure de la lutte contre les produits phytosanitaires en osant attaquer en justice la multinationale Monsanto, filiale de l'allemand Bayer depuis 2018. La vie de Paul François bascule en 2004 quand il inhale des vapeurs de Lasso, un herbicide de la firme agrochimique. Après plusieurs malaises, le céréalier est longuement hospitalisé, frôle la mort. Il souffre toujours de violents maux de tête et de graves troubles neurologiques. Son mal est reconnu comme maladie professionnelle. La bataille de Paul François devant la justice débute en 2007. L'agriculteur obtient gain de cause en première instance, puis en appel en 2015. Mais en 2017, la Cour de cassation casse et annule l'arrêté rendu en 2015. Pour des questions de procédure, tout est à refaire. Après avoir songé à abandonner, Paul François repart donc dans une nouvelle bataille judiciaire, plus déterminé que jamais, dit-il, serein même, car Monsanto n'a pas apporté d'éléments nouveaux. L'agriculteur espère une condamnation de Monsanto pour produits défectueux. Il réclame plus d'1 million d'euros à la multinationale. Lui qui a déjà dépensé des dizaines de milliers d'euros en procédure, hors frais d'avocat, ces derniers ont accepté de ne pas être rémunérés, sans quoi ce long feuilleton judiciaire n'aurait pas été possible. Paul François, qui était d'ailleurs l'invité de France Culture hier soir dans le journal de 22h, expliquant ce qu'il attend de la justice aujourd'hui plus qu'hier. La Cour de cassation, elle nous renvoie devant la Cour d'appel en estimant que c'est pas pour un défaut d'information, mais pour un produit défectueux. Si la Cour de cassation a pris cette décision, c'est qu'elle a eu accès bien évidemment au dossier et en regardant les éléments du dossier, ça leur est apparu évident que les faits étaient plus graves. Ça veut dire que la société Monsanto a délibérément commercialisé un produit défectueux, dangereux pour les utilisateurs, et au-delà des utilisateurs, ça pouvait concerner les riverains et les consommateurs. Et donc les faits sont plus graves, et j'attends que la justice continue à faire le travail qu'elle a fait jusqu'ici, que d'ici un mois ou deux, elle condamne définitivement cette société, et que la page se tourne, parce que 12 ans de combat... J'ai aussi envie de passer à autre chose. C'est le combat de ma vie, c'était le combat de ma famille. Et je crois en la justice. Et au-delà de mon produit, ça montre aussi que cette société est capable de commercialiser et de mentir sur la dangerosité d'un produit.